À la page 10 de l'annexe B de mes notes de cours, je vais utiliser un petit jeu, disons de mots croisés, pour discuter de la section 1.8 de la brochure ici, section qui s'intitule Notes historiques. J'en ai même rajouté probablement par rapport à ce qui est contenu dans la brochure comme telle. Ce que je vais vous demander de faire, c'est un peu de voir ça comme l'exercice de cette annexe-là. Donc, je ne montrerai pas les réponses ici dans la vidéo. Ça va être corrigé soit avec moi en classe ou soit par vous-même, là, parce que je vais vous fournir un solutionnaire comme tel. Donc, on peut voir ça comme l'exercice, là, correspondant à cette annexe-là. Donc, vous avez des définitions en dessous. Je vais vous demander de remplir la ligne des définitions, là, pas juste de remplir les cases ici dans le mot croisé, mais d'écrire à la fois le mot correspondant, exemple, à 26, de l'écrire ici pour voir le nombre de lettres, puis trouver des indices pour les prochains, mais de le remplir également sur la ligne, là, correspondant à la définition 26, parce que c'est le fun de pouvoir regarder ces définitions-là en ayant la phrase au complet, en n'ayant pas besoin de revenir sur la grille de mots croisés à chaque fois. Mais évidemment, c'est le fun de remplir la grille de mots croisés parce que c'est un jeu en soi. Puis évidemment, ça nous aide à trouver les mots en nous donnant des lettres de référence et un nombre de lettres. Je m'arrête ici, puis je vous laisse travailler ça.